Grande nouvelle qui a dominé l'actualité, mesdames et messieurs, que nous portons pour sous Chanel Pola TV, la caille Haïti.com. Gros journée, mercredi 13 septembre 2023. Et nous continuons à informer sur l'actualité, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Franchement, pas de bouche pour nous parler. Et nous allons inviter à avoir tout détail pour journée mercredi. Comment ça est? Dans divers blocs, dans diverses zones, dans divers quartiers, diverses communes dans le pays, à côté de ces gangs, les gangs qui ont dirigé, les gangs qui ont fait la loi, les gangs qui ont fait la police limite et ils pas qu'à traverser. C'est la magie de la Mesdames et messieurs, nous allons vite au détail. Esaü César, Maté Leba, et bien, vous allez saisir de qui ça arrive. Esaü César, et franchement, n'a demandé est-ce que si c'est un autre journaliste qui te konna ben a saccagé nèg yo hein a pas frappé nèg yo ben qui ça t'a privé journaliste ça le fait que ben c'est Esaü César mesdames et messieurs calme pantan ben sous iso et bagaille là franchement by Esaü César diarrhée et dans moment n'a parlé là nous ça raconter un ben ça manque rivé le on regarder dans diverses zones dans pays a divers côtés, mesdames et messieurs, c'est nèg exam kap fè circulation, mais qui s'ak pays d'Haïti. C'est nèg exam kap dou, mais combien pou bay, mais combien pou bay, alors que pays a soi-disant dit, yo genye autorité, mais qui côté autorité sa yoye? En tout cas, nous allons inviter au gen détail. Dossier barrage, que moun wana met décidé, de continuer travail président Jovenel Moïse là, et dans un journal dominicain, dans une émission, un journaliste, et bien côté monsieur, et bien offri et barbecue, Jimmy Cherizi, ancien policier, et bien yon somme de 2 millions de dollars pour monsieur lui-même capable à bloquer travail ça qui a fait en sous frontière. Et bien un peu monde qui trouvait que journaliste ça, et bien t'as une enquête qui menait sous monsieur, est-ce que nèg yo pa kon habitué utiliser bandi yo déjà dans le pays a pour faire nèg yo craser attaquer kidnapper tout le monde et puis même vendre nèg sa aux armes ak munition pour continuer donc à terroriser population haïtienne là et ben gen enquête qui doit ouvert sur journaliste ça mesdames et messieurs pour connaître ben qui et implication que monsieur gagne dans insécurité qui a passé là entend de plus détails n'a tourné et ben c'est ça lié. Et nous avons l'autre troisième invité, bien entendu, mesdames, messieurs, dans le cadre d'émission Matin Débat, c'est l'entrepreneur, je dirais, l'avocat de l'immigration, monsieur. Et Olivier Pierre. Olivier Pierre. Nous avons gagné Olivier Pierre dans le cadre d'une interview et dans le cadre d'émission Matin Débat. Donc, peuple haïtien, je dis à la, tout le monde a constaté. Ça qui a passé dans le pays. Le pays en difficulté qui met les derrière un série de monde. Qui met les Ariel Henry. Qui met les LB Franz LB. Qui met les inspecteurs généraux en chef de police nationale. Qui met les un série de policiers qui ont fait l'argent à gang. Qui met les un série de monde qui a fonctionné dans le pays. Qui met les Haïtiens qui ont moyen dans le pays qui ont vivre. Qui dit qui met les bunda yo. Et que affaire a marché. Mais pas oublier, moun ka vous avez été campé, vous avez goumé depuis l'année dernière, en novembre 2022, vous avez goumé en dépit de tout. Les sacrivés, Matissan, Fontamara, à un ensemble de zones, moun taba, te campé à regarder. Vous n'avez pas essayé quand même de mettre une solidarité, on ne peut plus, pour capable contrecarrer ça qui venir. Je ne veux dire, je garde mon équipe, mon Pétionville qui campe, qui a gardé, ça qui a venu. Au lieu que vous fassiez tête ensemble, vous coude à coude pour voir comment vous combattre le gangstérisme dans ce pays, vous campez à garder. Mais je ne peux pas mentir, ça m'a pris à privé là. Samedi dernier, j'étais à Miragouane. Je suis sorti Miragouane avec moi-même, avec madame. Est-ce que nous connaissons les mrivés? Tout sous route là, nèg azam. Vinou un blocus dans 4e avenue. Un blocus enragé. Qui est-ce qui a fait circulation? Chef bandit. Monsieur Granvin, monsieur Isoyo, monsieur Tiboyo. Cela veut dire que peuple haïtien. Esaü César, chita dans la machine, non? Moi, madame, non, avec chauffeur. Nous chita, non, ti RAV4, bah, ça yo.
gon pick-up, double cabine, vite parfumé. Nga bien dit. Vite teinté. Vite teinté. Bonheur. Nan 4e avenue, point 4e avenue. Gonne qui descend, cap saute en haut. Avec un M4 nan men. Gon lot avec 9 mm. Gon lot qui débarque dans l'autre espace. Qu'avec yon galil nan men. Lem gade moi plus passe 5 lot nèg. Avec Tevor nan men yo, Galil M4 nan tout atea. 9 mm c'est papa aller fait quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que vous dit, papa ici? Esaü César et la famille, nous chitons dans la machine, nous descendons à terre, nous gardons à terre. Qui est-ce qui a fait circulation? Monsieur qui a fait circulation. Ça m'a dit non là. Depuis la Fontama, il y a sous la machine. Depuis la Fontama, il dit que Bastibois, il n'y a pas sous la machine. Je vais plus bas. Ok? Mrive nèg yo sa ou fè yo pa checké comme si son basket kèk tan kou yo pa mande moun l'ajan et ki nan machine privé yo seulement yo fè recette avec moun ki nan machine et nan public public yo transport yo pa checké tande bien ça m'a dit de ça moi-même. Yo pa mande moun ki nan machine privée ka passe l'argent. Ça mande yo. Yo kite yo passe konsa. Oui, moun ki nan machine privée, yo pa campé yo. Yo pa campé yo. Ah bon. Ouais. Mais machine publique yo, yo gon recette yo fa avec yo parce que comme wap fè c'est machine nan c'est comme là. All right. C'est là même mande ko. M sorti Biragwan. Depuis le map sorti Kafou, oui, rive Fontamara, passé, de Fontamara à Riel Alerte, jusqu'à ce que machine nous va bloquer dans Riel Alerte. Tellement bloqué ça arrête, c'est quitter Mbalou et quitter Mounio. Parce que Kimbel était de me mettre déplacé, mal tiqué. Je quitte dans le blocus là. Pierre Martin. Et dit Mabdou. Pour ça, moi-même. Ça, moi. Pour j'en ai campé. Et n'ai yo cap rale machine, rale machine, rale machine. C'est yo qui a fait travail la police nationale. Chef. Non, n'ai yo chef. Donc, ça veut dire que. Yo prend responsabilité. Yo prend responsabilité. Parce que yo connaissez yo chef. Mais c'est yo chef. La police a fait, non? Il a géré le territoire. Il a fait travail la police. Territoire, yo, il a géré. Bonne. Qui ont qu'on ouvre le territoire. Est-ce que. Moi, je dis, moi, t'as dit. Et police, c'est qu'il a parlé. Et ministre, c'est qu'il a parlé. Moi, je dis, il a fait travail la police là. Monsieur, ça fait, c'est travail la police lié. Il a géré territoire ou bien? Non, t'as bien. Non, la police pas bail là. Hein? La police pas bail là. La même justice là dit c'est territoire perdu. Mais c'est parce que les finchita comment elle est là toute minichita. Le conseil des ministres. Il estime que territoire ça fait. Là, la police pas aller bagay. Ça pas donc, ça pas juridiction la police encore. OK. Donc ça veut dire que monsieur campé à Kilanaganache, il a campé red de route là, il a fait circulation. Et y a pris les machines, y a dit machines ranger quoi ici, ranger comme bagaille. Mais dans ça nous y est, pas ici. Donc est-ce que je vous ai dit là, moi-même qui a parlé là, t'as bien semblé dire pas ici. Dans mes commissaires gouvernement, Monsieur Joël de Guillaume, dis-moi exactement, dans la juridiction pour le président que lui-même dit c'est commissaire du gouvernement. Qui est le gagnant sur route Matissan? Qui est le gagnant sur bicentenaire? Esaïe. Soit Mandela. C'est une question, monsieur. Ça ne pas ou pas comprendre pourquoi ministre de la justice. Je suis en droit de lui poser cette question. Commissaire gouvernement, c'est
sans battre tel ministre justice là. Oui, connais. Et ministre justice là lui-même, il déclare publiquement zone ça. Qui soit mandé commissaire là. Je comprends. Depuis dans zone ça, je vais répéter aujourd'hui parce que moi Isaïe a viré bagarre là. Depuis ministre justice, ministre justice. Correct. Fin déclaré une série de zones territoire perdu. Ça veut dire sa police là il fait là. Bon ou même il pas il pas qu'on a force là. Voilà. 16 sous-commissariats et antennes de police. Selon une organisation de droits humains, un organisme de droits humains. Fait sortir que 16 sous-commissariats et antennes de police, c'est-à-dire ça nous fait dans conteneur qui boulait qui sous contrôle des bandes armées. 16 environ, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. 16 sous-commissariats et antennes de police dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sous contrôle bande armée. Territoire perdu. Dans territoire perdu. Donc, mes pays, messieurs, dames. Et nous, si vous avez vous appelé d'accord. Oui, non, je suis d'accord. Mais là, ça nous y est, je dis là. Faut tout analyser, faut mettre ça dans la tête. Oui. Et puis, on va cadrer l'analyse. De vous oublier, nous, éléments, ça, tout analyser, oui, pour le subir. En tout cas, messieurs, moi, je pense que, je ne dis là, nous avons même à penser que le pays, ça, chaque monde qui vit un côté, les sentir confortables, maintenant t'es tout, demain à briver sous. Pour qui ça me dit ça? Moun, quand vous faites penser que vous êtes à l'abri. Moun, Solino, t'es pensé à l'abri. Moun, Nazon, t'es senti à l'abri. Moun, Boudon, t'es senti à l'abri. Moun, Lalu, t'es senti à l'abri. Mais dans la dernière minute, je vais là. Bon ensemble qui a passé là, situation catastrophique. Et c'est pas le pire. Non, je cap vinn là. Je suis pas un prophète de malheur. Mais cependant, Mandel m'a mettre barrière. M'a réfléchi avec ça qui a passé dans pays là. Et m'a demandé chaque citoyen prendre responsabilité. Moi même pas menti, c'est à terre mieux. C'est à terre mieux. M'pa pour m'gouma avec X Z. Je dépense l'argent, je paye l'État pour la sécurité. Je veux dire, je suis face à des gens qui ont la sécurité. C'est eux qui ont la sécurité. Je ne comprends pas, je suis tombé de nuit. Je paye des gens, l'argent population, qui a payé des gens, je veux dire, un ensemble de citoyens en un pays qui finit de construire caillou, qui fait 30 ans, il a construit des caillou, moi-même, j'ai 10 l'année à 12 l'année. M'a font ti kay nan chodo bizoto 50 droit m'pa jam ka finil un bon matin un groupe nèg paraît yo boulil et puis kounya la malè en battante donc peuple haïtien menè sa nou viv et ça que demain m'a gagne docteur Harrison puis même gens nous capable sur channel là de temps en temps m'a mettre ti fleur m'a mettre ti bagay cœur qui prouve que nous même haïtien nous remè Haïti. Tout ça, c'est un combat lié de psychologie. Donc, yo même soi-disant, je remets mes pays. Nous même tout, faut nous montrer que nous sommes des vrais patriotes. Nous remets mes pays, nous pas de place pour division. Eh bien, pas de n'a parlé de ça. Nous voyons que justement, eh bien, nous qui extrayons, nous t'ai parlé de ça, mesdames et messieurs, comme côté que yon animateur dominicain, eh bien, qui offre, qui dit que pour qui ça nous pas offrir Jimmy Cherizier alias Barbecue, 2 millions de dollars pour craser Rivière Massacre. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on entendait 2 millions de dollars pour craser travail peuple là? Évidemment, nous allons analyser pour vous, mais Nabzou, parle trop vite, essayez de comprendre qui joue de cafette là au point de vue psychologique, pas courir entre dans ça. Évidemment, nous allons parler de ça. Et puis, techniquement, il faut nous retourner sur nouvelle ça, mesdames, messieurs. Bon côté l'ONU, pour pas dire Nations Unies, yo-même. Eh bien, après toute demande que vous-même vous faites, après que la population dit que nous ne parlons pas de forces étrangères dans le pays, hein, eh bien, quand même, nous sommes capables de dire quelque sorte, qui est capable de dire bonne nouvelle, ça va dépendre qui structure, ça va dépendre qui mesure, qui va le prendre. Eh bien, il y a une grosse étude qui a fait là pour que nous retournions tout bon avec. Monsieur militaire nous yo FADH là, c'est-à-dire possiblement pour yo gain vraiment des matériels ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, bien quand même nous on a félicité la police parce que nous apprenons un gros chef gang qui tombé là. Nous pas toucher ça. Bon, vous devez volume information en détail
dans le cadre actualité. Eh bien, comme on a déjà annoncé, Jimmy, nous sommes capables de dire, eh bien, il y a la bonne nouvelle pour le pays d'Haïti dans le cadre de bon côté de l'ONU. Côté que nous avons parlé là, il y a une décision que l'ONU a pu prendre là pour de quelles mesures ils sont capables eh bien, faciliter la formation eh bien, et agents FADH. D'après déclaration ministre argentin, ministre de défense argentin même ni fait hier Madia et justement dans tribune les côté que émission de paix et qui t'a organisé dans cadre forum dans pays Argentine et bien il y a une très bonne nouvelle côté que et bien dans texte qui voilà après un pile complaine nous t'ai toujours dit nous on parle force étrangère s'assembler l'ONU prévoit changer et changer Maïli dans le cadre de bien actualité concernant le pays d'Haïti probable et combattre contre bandits. Oui, effectivement. Bien, mm-hmm. Oui, alors nous sommes capables de dire et information là qui arrive quand même qui est bienvenue dans les zones et population par rapport avec nous connaissons le 15 septembre quand il là et bien il y a une décision qui va prendre dans la tribune. C'est dans le Conseil de sécurité de l'ONU en ce qui a trait avec éventuelle arrivée en force multinationale dans le pays là et bien décision qui prend et bon côté de l'ONU qui dans mon appel là qui a essayé analyser possibilité pour ta décider et dans cadre d'un accord avec le pays d'Haïti et pour jeune et possibilité pour ta former agent FADH on va aider le ministre de défense agent de Jorge Taina qui même fait déclaration ça et bien à partir de ça. Eh bien, tout le monde qui ne veut pas intervention, c'est toujours complet qui ne veut pas intervention, eh bien, nous avons une possibilité là pour nous remporter la victoire par rapport avec décision. Ça, semble, nous avons des voix, nous, eh bien, actuellement là, c'est analyse qui fait, c'est décision rapide et prend pour ta, eh bien, exécuter ça nous-mêmes, nous demander à savoir, formation, eh bien, des cadres de FADH, formation, tu mets l'armée, nous, et pourquoi pas, au formation, nous sommes en formation militaire, mais aussi, alors, faut que nous disions, c'est pas forcément dans le pays argentine, c'est probablement dans le pays d'Haïti là. Et bien, côté que, il n'y a pas précisé exactement est-ce que c'est en Argentine, est-ce que c'est dans notre pays, est-ce que c'est au Mexique. Gens qui répondent ça qu'on a habitué à faire là, actuellement, nous connaissons plusieurs agents FADH qui ont une formation, comment vous pouvez manœuvrer de bonne, comment vous pouvez justement, et bien, conseiller de travail. Et bien, parce que ça, c'est une nouvelle qui est très bienvenue et dans le cadre actualité. Oui, exactement. Et pour qu'on y a là, j'en nous dis, n'a prudent. Et l'époque qu'on confirmé, il faut bien préciser, c'est dans le cadre d'études. C'est dans le cadre d'études. Nous, ouais, que depuis quelques temps, c'est ce que c'était. Nous, la population dans la rue, a dit que nous-mêmes, nous n'avons pas les forces étrangères. Et c'est nous-mêmes, haïtiens, qui pourrions résoudre le problème. Non, parce qu'il n'y a pas de problème là, mesdames et messieurs. En sérieux, pas de problème là pour que ces forces étrangères qui pourraient venir en Haïti, bien que nous, insécurité, a vraiment dans ça là, mais. Et je pense que la police, monsieur militaire, yo, si la population déterminée, je ne que mon nord-est campé là, c'est sûr certain, nous avons résolu tap. Mais au-delà de ça, quand même, une fois de plus, il faut nous prudents, parce que je nous dis, oui, nous besoin de force l'armée, mais faut que c'est une armée à la haïtienne, c'est une armée à la créole, c'est-à-dire que ce n'est pas moun sa qui pral dicter nous, je ne veux pas contrôler la police, là. Je ne veux pas contrôler en pile une institution par nous. Mais bref, pour qu'on y a là, comme nous disons, une étude qui a fait là, nous avons rappelé qu'il y a un pile de marches qui t'a fait. Rappelez-nous bien, mesdames et messieurs, comprenez bien. Je dis à là, nous avons cherché fonds pour nous, comment nous sommes capables de développer le pays nous, pour pas dire projet agriculture nous, projet infrastructure nous. Mais attendez bien, nous disons, et nous ne pouvons pas retourner sur ça. Inviter des forces étrangères entre en Haïti là, ça sont l'autre corps pour comme si sont l'autre dette, sont l'autre corps pour dépenser au lieu que nous t'aiguer d'apprendre même comme ça pour développer l'armée. Hein. Nous gué canal rivière massacre là, nous gué Marion, nous grand pile l'autre projet sérieux que nous capable faire avec lui évidemment et puis préférer que nous former propre militaire par nous, refaire des recrutements parce que nous gué équipe jeune garçon là pour diable qui a pris émulation dans l'autre pays. Qui a le prend zam, si vous avez la capacité pour entrer dans l'armée, hein, bon, garantie vous avez entré. Et puis, bon, l'en a dit ça, nous saluons l'équipe jeune garçon qui est au Chili là. Nous avons l'équipe zami qui est dans Chili, yo même c'est tant y'a tant pour dire go, pour mettre ça au débat Haïti pour venir entrer dans l'armée. Tout le temps y'a écrit nous, tout le temps y'a dit nous, Jimmy, qui est abgain justement et y'a capable de commencer à faire recrutement. Tout le temps y'a tant. Mais bref, pour qu'on y a son étude, y'a étudié pour eux. Et il a commencé à évaluer pour
est-ce qu'éventuellement, il y a rétabli la mère, mesdames, messieurs, quand même, qu'on t'y sorti de crise, mais j'en nous dis, en mouvement bois calé, il faut qu'il poursuive, il faut qu'il continue, parce que bandit pas qu'à marcher sous le monde. Et puis, pendant ce temps, l'année, pendant ce temps, il faut que nous prudents, parce que nous obligés tout retourner sous question barbecue, hein, nous te passons extrait. Quand on te tende, un chef gang, qui te dit qu'il prend pour te renfort à la population, hein, nous te dit non, ou c'est gang, rete à l'attaque Ariel. Nous pas besoin de venir dans rivière massacre là, nous pas besoin là frère. Si c'est si vraiment vouloir aider peuple là et à l'attaquer moun sa ok bozam non, attaquer Ariel Henry, pas prendre direction et rivière massacre pour nous. Oui là non. Bon, Jimmy nous t'a déjà dit la prudence quand même qui serait de mise par rapport avec manœuvre Luis Abinel a été implémenté là. Pour savoir dans quelle mesure yo capable et ben boycotter vous capable et ben perturber et ben déroulement travail canal construction canal qui a fait tout rivière massacre là et puis côté dans coup de vidéo côté n'a regardé yo analyste dominicain qui lui-même t'a pas déclaré et ben il a essayé voyez 2 millions de pesos 2 millions de dollars américains par barbecue. Alors, il parle de barbecue, mais ce n'est pas seulement barbecue. Il y a Iso, il y a l'Ambo Sanjou, nous avons tout le bandit ça, qui ont même habitué à craser le pays, et en faveur de Luis Abinel, même si je connais actuellement 400 maraudes, et bandit l'Ambo Sanjou, c'est en mission télé, c'est en mission, et en pile de messieurs, c'est la République dominicaine, et non seulement qu'à passer au lot, les noyaux qui ont craser le pays, comme ça, et bien, non, cette vidéo, côté que les Dominicains, et bien, côté qu'elle peut parler, et bien, côté qu'elle doit couper, et cette vidéo rapide, et mais quand même, vidéo après la oui, et bien, il y a des bagages qui ont parlé, nous avons toujours essayé d'imaginer, et bien, balle après la oui, côté Dominicain a planifié pour passer par bandit pour craser le canal Rivière Massacre là, et bien, Jimmy, nous allons nous attendre comment Dominicain lui-même lui a parlé des barbecues qui ont même prévu pour passer. Et ça va dire qu'il a fait ça déjà. Mais il faut que nous prions tout par rapport au premier audio qui nous attendait. Il y a un bandit qui a dit qu'il va déployer sous les frontières là, à savoir Rivière Massacre, comme quoi. Eh bien, c'est une stratégie de la République dominicaine qui prévoit investir dans les bandits. Bah, il y a une forte somme d'argent pour craser le projet ça. Après tout ça, ils sont pas capables, eh bien, venir sur le territoire, non plus, venir tirer sur le peuple là, ils ne sont pas capables de bon, eh bien, ils prévoient passer par des conseils, des traites nationaux, qui eux-mêmes, ils sont capables de bandits, bien que nous connaissons pas ces bandits, il faut que nous très prudents par rapport avec, eh bien, les gens qui sont mis en place, les gens qui même sont capables de montrer la vidéo, et les politiciens, et notamment, qui est capable, et bien, j'en rôle là, j'en double pour ta bonne côté de travail. J'en qui nous attendons, j'en un sénateur à Didini, et M. Kagzam, il faut qu'il arrête, il n'y a pas militaire, il n'y a pas. Ça veut dire, c'est des gens qui sont frustrés par rapport avec les policiers qui campent, qui défendent la population. Et du fait que l'agent de la campagne, qui défendent la population, il y aurait que Dominique, il n'y a pas qu'à venir, soldat Dominique, il n'y a pas qu'à venir. Tout le monde ça, vous voulez, et vous regardez, il y a des gens qui ont des personnes là, qui sont frais, et bien, je vais vous entendre comment, et bien, Dominique elle-même, il a parlé concernant, et bien, les plans qui ont manœuvré là, pour passer par bandit. Oui, exactement, et c'est très important, et sérieusement, mesdames, messieurs, je pense que nous toujours abdil, hein, parfois nous, quand nous sommes naïfs, les maps disent que la destruction du pays d'Haïti, les Haïti mal comme ça, eh bien, Dominicain ça, eux-mêmes, ils sont contents, ils sont bons pour eux. Eh bien, mets la preuve. Est-ce que, bon, voilà, bon, nous invitons tout d'abord dans des vidéos, hein, et puis par la suite, on va faire des commentaires qui sont extrêmement graves, mesdames, messieurs. Eh bien, justement, entendez extraire, puis par la suite, on n'a pas avancé. Comment se llama, Matusalén, comment est? Con barbecue. Usted no puede hablar con barbecue. Y decirle barbecue.